Donc avant de faire notre slam, on va vous présenter un petit peu le projet que l'on mène déjà depuis pas mal de temps. Donc notre projet en fait s'appelle le Colibri fait son slam. Il est porté par des élèves là-bas dans le fond de la Maison des Phénix. Donc on peut les applaudir bien fort si on les veut là. Interdisciplinaire qui mêle les sciences, les français et l'art plastique. Alors, pour les français. Donc, en français, on a vu tout ce qui était, donc tout ce qui tournait autour de la poésie, donc comment rédiger un slam. Et notamment, ben, grâce à l'aide d'Alain et Nicolas qui sont venus en classe lors de divers ateliers pour apprendre aux élèves à slammer. D'ailleurs, on peut les applaudir bien fort. Sur la thématique de la protection à l'environnement. Et avec moi, l'artistique, grâce à Valentine Lafitte, on a fait, je demande... Un tonnerre d'applaudissements. Grâce à elle, on a pu... grâce à elle, on a pu illustrer les livres que les élèves... Ils ont créé un recueil de slam. Vous pouvez découvrir ce soir. Et nous remercions aussi notre école, parce que grâce à notre école et grâce à toute l'équipe éducative, on peut... Notre direction aussi, Monsieur Tadidon. Notre direction, Monsieur Tadidon. Parce que grâce à notre école, on peut apprendre autrement. Et c'est grâce à eux qu'on est là. Et je remercie le Fonds Victor parce que c'est grâce à eux qu'on peut payer Nicolas, on peut payer Valentine et on peut... Voilà, c'est eux qui financent le projet du début à la fin. Ouais. Ah oui, youhou. Il n'a pas encore été payé, mais ça va arriver. Il va avoir. Apparemment, ce n'est que nous. Voilà. Et après ça, bon, nous, on va se laver. Allez. Donc on a écrit un petit texte ici en atelier slam pour nos élèves. Et me voilà ici, à 10 000 km de ma Colombie. Je slame dans la langue de Molière, pour un projet pas très scolaire. Pour l'environnement, je me fais des soucis. Pour ta planète et celle de mes filles aussi. Grâce à l'art, nous protestons. Grâce à l'art, nous slamons. Et moi aussi, me voilà ici. Dans cette ville où j'ai tout appris, quelques mots déclamés, un message à vous délivrer. Apprendre autrement, nous avons trouvé notre élément. C'est en brisant les conventions que nous formons cette génération. Il faut être complètement fou pour venir travailler chez nous. Ne pas compter ses heures, on est slam jusqu'à 23 heures. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'on est fiers de vous voir grandir sous la lumière. C'est grâce à vous, nos élèves, si éveillé que ce projet finit en beauté. Le colibri a appris à faire son slam, quelques gouttes pour éteindre une flamme, un petit geste, pas grand-chose, et voilà comment une société se métamorphose.